Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios, la 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Dani, la radio Puissance Max. Pour notre jeudi 28 octobre, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux, et oui, et le quartet dans l'ordre en 7 chevaux, et oui, pas mal le mois d'octobre en ce moment. Bon, dommage, le quartet nous échappe encore pour... une nouvelle fois sur cette chaîne, le 2, j'avais mis un cheval de complément. Mais bon, il faut bien choisir, il faut savoir prendre des risques de temps en temps. Mais bon, c'est quand même pas si mal. Je vous donne aussi les 3 couplets gagnants placés, 1, 2 sur 4. Ma dernière minute, dommage, le 7 termine à la porte du quartet, 6e. Et j'en suis pour le moment à 122 tiercés, 91 quartets et 63 quartets de données. C'est quand même pas si mal pour un amateur, n'est-ce pas? Et je vous donne aussi le multi en 7 et le bonus 4 avec, tout à fait. Donc, merci pour vos commentaires que j'ai reçus, bien sûr. Et vous avez vu, j'avais oublié le 2 dans ma vidéo avant et je l'ai changé très, très vite avec ma dernière minute. Donc, merci de votre réactivation de ce côté-là. Donc, pour notre vendredi 29 octobre, notre quartet aura lieu comme tous les vendredis soir sur les programmes de Vincennes dans la Réunion 1 course 4, distance 2100 mètres, départ avec l'aide de l'Autostar, toujours très très important. Bon là, 13 partants, ne vous attendez pas à voir des gains mirobolants si c'est une arrivée de favori. Hein. Donc il y a des bonnes bases qui se détachent, après il va falloir jongler, il va falloir trouver... l'ordre, bien sûr. J'ai placé, bien sûr, en tête de ma sélection le 5 Europa de Chenu qui sera mon cheval du jour. Il détient une très très bonne chance de terminer dans la bonne combinaison gagnante de ce quartet, voire même de le gagner. Et vous avez vu que mon cheval du jour, pour notre jeudi, a encore gagné la course. Très bonne stade de mon cheval du jour en 2021. Le 6 Egeri d'Alouette sera ma deuxième base. Le 7 Uazimaza sera ma troisième base avec Eric Raffin. J'y crois pour une très 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 bonne place, mes amis. Le 3, Emilia CJ, ma quatrième base. Attention à elle, c'est une très très belle chance. Donc mes 4 bases pour notre vendredi. Le 5, le 6, attention, le 6 sera drivé par le diable JMB. Eh oui, il est rarement dans les 14 souvent, mais attention. Le 7 et le 3. Le 9 extra du château pour une belle place. Tout comme le 4 d'Ivalo. Le 10 Diabolo Castellet, pardon. Beaucoup de folie pour ce quartet. Et le 8 Eagle Wide. Beaucoup de poker pour ce quartet. En cas de non partant, le 1. Bon, cheval du jour, le 5. Mais de base, le 5 et le 6. Bon, très gros coup de cœur. Le 3, bien sûr, mon coup de folie. Le 10 et mon coup de poker. Le 8, mais 2 sur 4. Le 5, le 6 et le 7. Mes couplets gagnants placés. Le 5, le 6, le 7 et le 3. Je répète ma sélection, mes amis. Le 5, le 6, le 7, le 3. Le 9, le 4, le 10 et le 8. Vous le savez, maintenant, je donne également mon multi. Le multi en 7 pour notre vendredi, le 5, le 6, le 7, le 3, le 9, le 4 et le 10. Mon jeu, le tout à fait, un très petit tout à fait, parce que ils seront que 13 au départ. Le 5, le 6, le 7, croix, 3, 9, 4, 10, 8, as et 2. Voilà, c'en est terminé pour notre quartet, pour notre vendredi. Retrouvez-le bien sûr sur la radio la16.fr et sur la radio rdc.fr. Sur ce, mes amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon. Des courses.